Edgar Quinet et la petite classe répondez, savez-vous qui c'est? Et la petite classe répond, on sait, c'est un boulevard à Montparnasse, dans un genre plutôt campagnard, un marché des passants qui passent, derrière un mur, un grand espace, où circulent des corbillards, entre caveaux et jardinets, première, deuxième et troisième classe, car le cimetière du Montparnasse est au boulevard Edgar Quinet. C'est un boulevard dans la nature, de grands arbres lui font un toit, qui s'étend loin comme il se doit, à côté sur des sépultures. Le coin est bon, bien abrité, c'est la fin de toute aventure. Pour les vivants presque en bordure, il y a la rue de la Gaîté. Comme ça tout près, la vie renaît. Chiale pas mon vieux, vois-tu tout stasse. Bois un bon coup, voyez terrasse, au boulevard Edgar Quinet. Entre les stèles funéraires et les longs cyprès qu'on passait, vivre se conjugue au passé, malgré le retour à la terre. Mais le soir, devant le grand mur, des par deux sur les bancs propices, les amoureux fervents se glissent, qui conjuguent tout au futur. Il y a tant d'amour au mois de mai, sous les arbres, loin des lumières, devant le mur du cimetière, au boulevard Edgar Quinet. L'amour, la mort, beau voisinage, pouvait avoir Marthe Richard interrogé dans son boudoir, le sphinx venu du fond des âges, rue du départ, rue de la Gaîté, que d'espoir, de baiser, d'ivresse, pays léger de la jeunesse, comme on voudrait s'y arrêter. Mais s'arrêter, on ne peut jamais. Plus loin, il y a le mur de pierre, et la porte du cimetière, au boulevard Edgar Quinet. Larmes, discours, fleurs et couronnes, voiles de crêpes noires, brassards. Mais à l'autre bout, rue du départ, le bon coin des crêpes bretonnes, beurre salé, cidre et muscadet, des petits hôtels, des filles de joie, une chapelle pour tous ceux qui croient, une bouche de métro, tout y est. Le jour qui meurt, le jour qui naît, entre Raspail et l'avenue du Maine, y a toute la destinée humaine au boulevard Edgar Quinet.